Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Autant vous dire, ça fait déjà deux fois que je fais cette intro au niveau de cette vidéo. Avant tout, je vous dire merci à tous ceux qui m'ont mis des messages. Merci à tous ceux qui sont arrivés ici sur ma chaîne YouTube. Nous en sommes en ce moment à 1062 ou 63 abonnés. Alors si vous me voyez m'énerver, vous savez beaucoup pourquoi. Il y en a certains qui le savent, à cause que quand je prends ça, c'est qu'il y en a un qui fait des bêtises, et autant vous dire qu'en ce moment il fait énormément de bêtises. Il fait des choses qu'il ne peut pas, hein. Donc là maintenant il vient de partir de l'autre côté. Autant vous dire que d'un côté, ici, cette vidéo que je vais faire, je vous l'ai dit que je le referai dès que la brocante passait, pour que d'un côté, vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe de la semaine. Je vous avais promis que ça allait arriver dès que la brocante était passée. Maintenant que la brocante est passée, je vous fais direct les menus de la semaine. Je sais, là maintenant, je vous vois la serrure. La serrure, le sourire jusqu'à haut de vos oreilles, en train de vous dire, ça y est, elle ressort, c'est menu. Ah ben ouais, le menu, azaré. Vous allez me dire, d'un côté, je vais déjà la semaine qui arrive. Pourquoi je fais déjà la semaine qui arrive? Car autant vous dire que aujourd'hui nous sommes jeudi soir, il est 22h26, pardon, je ne voyais pas de loin, mais c'est pour ça que je vous reprends, que je vous prends maintenant pour d'un côté vous parler des menus de la semaine qui est du 3 au 9 octobre. Parce que ça ne sert à rien que je vous parle de ce week-end, car ce week-end, je vais les faire au feeling. Mon fils vient ce week-end, donc je vais faire comme ça un petit peu au feeling, un petit peu de mes menus. Alors autant vous dire que d'un côté, les menus pour la semaine, pour la semaine qui va arriver, je vais les faire parce que je vais bientôt faire mes courses. Lundi, je fais mes courses, donc à ce moment-là, c'est pour ça que d'un côté, j'aime mieux vous dire mes menus, car je sais déjà ce que j'ai déjà dans mes placards et je sais qu'il ne me faut pas grand-chose. Alors, autant vous dire, pour celui qui est intéressé à certains menus qui se trouvent ici sur ma liste de menus, vous me le mettez en bas de commentaire et vous me dites, ah ben tiens, ce menu-là, c'est intéressant, est-ce que tu sais me faire? Est-ce que tu sais faire la vidéo sur ta chaîne? Comme ça, je peux voir comment toi, tu fais ton menu. Et il n'y a pas de souci. Moi, à ce moment-là, je vous mets un commentaire par après. Et le jour que je sors le menu et que c'est le moment du menu, je vous ferai cette vidéo comme j'ai toujours fait pour les anciens. Vous savez très bien que quand il y avait un menu qui vous intéressait, je faisais la vidéo et vous l'avez le lendemain ou deux jours après. Tout dépendait à quel moment j'avais eu le temps de le sortir. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sera toujours faite, même qu'elle est un peu courte. Mais au moins, vous avez quand même la vidéo de comment je fais mon menu, à quel moment je laisse, quelle épice que je mets, c'est-à-dire niveau les épices et tout ça, les ingrédients et tout. Je sais beaucoup qu'il y en a beaucoup qui aiment me voir là-dedans. Alors, autant vous dire, niveau pour le lundi. Donc, on va commencer niveau, je reprends tout. C'est le calendrier du mois d'octobre 2022 qui sera de la semaine du 3 au 9 octobre. Nous allons commencer par le lundi. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir le lundi? Lundi, il va avoir pommes de terre. Ça va être un dîner tranquille, basique, je me dis. Hein? Donc, ce sera pommes de terre, petits pois et carottes et poulet. Vous allez me dire, ça, tout le monde sait faire, hein, donc on va faire à son aise, tranquille. Pour le mardi, ce sera haricots hachés, donc haricots plus viande hachée, plus pommes de terre. C'est un bon menu aussi, c'est sympa aussi. Alors, pour mercredi, car mercredi, c'est l'entraînement plus match, donc il y a des matchs qui se font plus entraînement, ce sera frites, poisson, car j'ai encore du... Donc, les menus que je vous dis en ce moment, il y a encore dans mes armoires. Hein.
Donc, niveau les menus du lundi, j'ai encore dans mes armoires. Menu du mardi, j'ai encore dedans mes armoires. Le menu de mercredi, à part la salade que je n'ai pas. Donc, mercredi, ce sera frites, poisson, salade. La salade, il faudra que j'achète. Je ne l'ai pas encore sur mon dans mes armoires ici, mais rien ne m'empêche d'aller en chercher. Je sais aller chercher. Pour jeudi, ce sera tagine. Mais tagine au quoi? Ce sera tagine, poulet, oignon, petits raisins secs ou alors petite olive, des olives, peu importe ce que vous voulez mettre quand vous faites votre tagine, surtout avec du poulet, vous pouvez mettre, si vous faites tagine, poulet, oignon, vous pouvez mettre soit des raisins que vous chauffez avec votre menu, ou soit vous pouvez mettre aussi des olives. C'est tellement bon aussi, c'est très bon oignon, olive, poulet, c'est bon, plus baguette, comme ça on peut manger avec et ça change un peu. Alors pour le vendredi, c'est j'ai mis reste en parenthèse, donc j'ai marqué reste et je l'ai mis en parenthèse. On ne sait jamais qu'il resterait de la tagine, à ce moment-là, ben, on mange le reste pour le vendredi. S'il n'y a pas, j'ai bien mis que s'il n'y a pas, ce serait chips kefta. Donc, alors autant vous dire que chips kefta, ça pourrait peut-être aller pour le mercredi. Donc peut-être qu'il y aura un switch niveau le mercredi, car ma fille aime bien ça. Surtout quand c'est un dîner qui va très très vite. Surtout pour aller là-bas à la salle du sport, elle aime bien que ça soit un dîner qui va vite. Alors autant vous dire que tout dépend niveau les menus. Et à ce moment-là, je suis très niveau les frites. Ça, je verrai niveau tout ça. Ça, automatiquement, on vous dira quoi sur le tableau, car je n'ai encore rien mis sur le tableau. Alors, donc ce sera chips et haché. Donc, c'est haché où je mets des légumes à l'intérieur. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps où c'est poro, pommes de terre, un oignon cuit, plus l'haché. Et alors, c'est un paquet de chips. En forme triangle qu'on met dans notre plat et on mange ainsi, c'est délicieux. Ma fille, moi et mon fils, on dévore ça comme un confetti. Et ça, si vous voulez, je peux vous le montrer. Peut-être qu'il y en a certains qui vont te dire, c'est vrai que c'est intéressant, surtout quand mes enfants vont au sport ou quoi que ce soit, c'est intéressant, surtout avec des chips. Et donc, il n'y a pas de souci, je vous montrerai la vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites ici en bas. Et pour le samedi, ben ce sera les restes de chips, parce que je sais qu'il en reste, ça dure toujours 2 jours. Et dimanche, ce sera riz, sauce, tomate, poulet. Et je mettrai des légumes à l'intérieur, par exemple des haricots ou quoi que ce soit, je mettrai certains légumes à l'intérieur. Donc comme ça, vous savez, les menus de la semaine, niveau du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. Donc moi maintenant je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu niveau menu. S'il y a des menus qui vous intéressent ou quoi que ce soit, vous les mettez ici en bas de commentaires et nous on se retrouve pour un prochain vlog et aussi bien sûr pour le retour de course qui se trouvera bien sûr pour logiquement peut-être le lundi. Si pas, ce sera peut-être mardi mais vous verrez d'ici là. Allez, bye bye à tous. Bye.